Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente le matériel dont vous avez besoin pour les entraînements du programme 66 et de Roule sur la forme. Donc le matériel dont vous avez besoin pour vous entraîner chez vous. Alors, pour rappel, programme 66, on est plus sur des programmes orientés sur la perte de poids, la musculation, la préparation physique. Et Roule sur la forme, on est plus sur des programmes orientés sur la mobilité et la préparation à la performance ou l'optimisation de la récupération. Donc au niveau matériel, alors vous avez besoin donc de disques. Alors je vous conseille donc de prendre des disques de préférence à trous. De cette façon, ben, on peut le manipuler beaucoup plus facilement. Bien sûr, donc une paire d'haltères. Donc une paire d'haltères, une barre. Donc au niveau de la musculation, je vous rappelle, vous avez un programme spécifique avec barre et vous avez un programme spécifique de musculation avec haltères. Et en général, on va utiliser la barre, les poids et bien sûr les haltères dans pratiquement tous les circuits training. Donc vous avez le circuit training programme 66 athlétique qui est vraiment un programme de préparation sportive et donc d'entraînement physique, hein, préparation physique. Et ensuite on a le programme 66 cardio qui est fait vraiment pour cibler les graisses rebelles. Ensuite, vous avez besoin d'élastiques. On reste dans le renforcement. Au niveau des élastiques, on a deux programmes avec terrain bande, d'accord. Hop. Et ensuite, on a un programme avec ce type d'élastique. Ce sont des élastiques que vous allez pouvoir trouver assez facilement. Ceci, ce sont les élastiques SCI, donc Science et Sport. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir prendre des poignées avec. Ça permet d'avoir un meilleur travail musculaire. Ensuite, vous avez besoin, bien sûr, c'est la base d'un tapis de sol. On va partir, on reste dans le renforcement musculaire. Eh bien, un petit ballon de paille, principalement pour le pilates. Donc, dans le pilates, il y a des entraînements uniquement donc au sol, hein, poids de corps avec tapis. Ensuite, il y a des séances avec le ballon de paille. Et ensuite, il y a des séances avec le rouleau. Donc, le rouleau, l'avantage ici de ce rouleau-là, vous avez la description, le lien ci-dessous, c'est que vous allez pouvoir pratiquer les séances de pilates. C'est un rouleau de 90 cm, c'est vraiment ce que je vous conseille pour le renforcement au niveau du pilates. Et vous allez pouvoir également pratiquer tous les automassages. Après, pour aller un peu plus loin au niveau des automassages, vous allez avoir besoin donc d'un petit rouleau. Vous avez également besoin d'un rouleau ici, hein, d'un rouleau normal d'automassage, on va dire. Celui-ci, c'est le petit rouleau. Vous avez besoin de deux balles, une petite et une grosse balle. Hop, on reste pas très loin des automassages. Donc ici, la bande élastique, ça, j'ai pas trouvé mieux. Donc celui-ci, c'est l'élastique Black Roll que l'on utilise beaucoup pour les étirements et les mobilisations articulaires. Un bâton. On l'utilise également dans le programme Pilates et on l'utilise dans le renforcement musculaire avec élastique, dans le programme CT avec élastique. On utilise également un bâton. Ici, c'est un simple manche à balai que j'ai coupé. Donc voilà pour le différent matériel. Une brique de yoga également. Donc pour tous les cours de yoga, je vous conseille vraiment d'avoir une petite brique avec vous. Donc voici le matériel que l'on utilise eh bien, à la fois dans le programme 66 et dans Roule sur la forme. Je vous rappelle que j'ai regroupé tous ces programmes sur une seule et même plateforme. Vous avez la description ci-dessous avec les différentes formules. Donc voilà, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez une zone de commentaires juste ci-dessous. Et eh bien, je vous dis à bientôt dans une séance, bien sûr, d'entraînement de programme 66 et de Roule sur la forme. Ciao, ciao.